Juan, mon chéri. Dépêche-toi, nous allons être en retard à l'école. Papa! Regarde, c'est Théo qui travaille sur la route. Il refait le nid de poule. Dis, papa, c'est quoi ce panneau près de Théo? Oh, je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai passé mon permis. Moi, je sais, c'est un panneau de danger pour signaler les travaux. Mais pourquoi mettre des panneaux? C'est pour nous avertir qu'il va y avoir un danger, ce qui veut dire rouler moins vite et faire plus attention. Ah, ok, maman. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Salut les amis, alors, on va à l'école? Travaillez bien et à bientôt, la petite famille. Attention, c'est Antonin et sa maman qui traversent! Dis Antoine, tu ne sais pas que l'on doit rouler moins vite dès que l'on voit le panneau danger proximité dans le fond. De plus, tu devrais rouler à moins de 30 km/h. Tu aurais pu nous écraser et en tout cas, tu nous as fait très peur. Désolée, je ne vous avais pas vu, je les écoutais. Monsieur, savez-vous pas que près d'une école, nous devons être à maximum 30 km/h? Si, désolé, ça ne se reproduira plus. C'est ce que me disent beaucoup de personnes et nous sommes là en plus pour faire un petit test aux automobilistes. Nous allons voir si vous connaissez encore bien les panneaux sur les dangers. Suivez-moi. Celle-ci, qu'est-ce que c'est? Proximité d'enfant. Et celle-ci? Danger K6. Une dernière. Celle-ci. Aucune idée. Moi je sais, ne serait-ce pas danger circulation dans les deux sens? Exact, madame. C'est vrai, nous ne nous souvenons plus de tous les panneaux. Vous voyez, tout le monde ne s'en souvient plus, mais c'est tellement important de les connaître pour ne plus faire de frayeurs ni d'accidents. Merci, monsieur le policier, nous nous en souviendrons. Merci, monsieur, pour ce récapitulatif et merci de nous l'avoir rappelé. Bonne journée et n'oubliez pas l'importance de bien connaître les panneaux de circulation. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.